saluer donc toutes amis qui apportent nous à travers le monde. Moi saluer nous dans nos Jésus. C'est un plaisir pour moi avec nous matin. Moi dis bon Dieu merci pour privilège ça. Et me dit pasteur Robert Mea, merci avec tout membre comité à pasteur Duchal, mon collègue, merci. Et assemblée à tout, moi dis un grand merci et d'essayer d'écouter matin, n'a prêté mes oreilles non et c'est pour un petit temps. Me souhaite et moment n'a passé et à bon moment qui béni. Que bon Dieu dans grâce li capable béni non matin. Sans plus tarder, et texte a été lu déjà dans Éphésiens 5, et c'est verset 22 à 33. Mais m'a appelé verset 33 pour nous, Éphésiens 5, verset 33. Il dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. La famille chrétienne idéale. La famille chrétienne idéale. Une famille qui idéale. Une famille qui un modèle. Une famille que tout le monde qu'à suivre. C'est de ça ma parole au matin. C'est bon petit temps. En pile couple tombé amoureux. Yo marié et yo imaginé que et toute bagaille fini, yo pa gen rien pour yo faire encore. Yo gen tendance pour yo penser que tout reste bagaille yo a vini par enchantement ou bien automatique. C'est faux. Et un mariage heureux par définition ou par chance. Au contraire, un mariage heureux, un mariage réussi, c'est résultat de l'action conjointe de deux personnes qui décidaient à assumer responsabilité qui sous tête yo. Pour que ça deux personnes qui unies dans les doux liens sacrés du mariage pas qu'à continuer à vivre ensemble. Il a été dit que le remède à tout mal, les soucis, la tristesse et les crimes de l'humanité les résumaient tout entier dans un seul mot. Amour. Et l'amour, c'est la force divine qui produit et restaure la vie. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, de nos jours, l'institution du mariage li en péril. Bien que bon nombre de personnes s'unissent dans les liens du mariage, peu de gens connaissent le bonheur. Le mariage tel qu'il a été conçu par Dieu est foncièrement monogamique. Son inspiration, Saint-Esprit, Moïse, ligue un soin pour le préciser. L'homme s'attachera à sa femme et non à ses femmes. La Bible dit deux garçons pas qu'à marier, deux filles pas qu'à marier. La Bible dit non. Et chaque monde qui est chrétien, nous campons sur ça. Attendez. Parce que les anti-bibliques, les sont pas qui immoral. Le mariage monogamique, c'est un engagement exclusif.
toutes les formes de polygamie les condamnées par la Bible qui c'est la parole de Dieu. Pour une famille, soit une famille chrétienne idéale, maintenant, n'a pas trois vérités. Trois vérités, nous allons voir maintenant. Tout d'abord, nous allons voir devoir de la femme dans le foyer ou bien dans la famille chrétienne. Lorsqu'on devoir pour rédiger ou bien pour accomplir ou bien pour faire son devoir lié ou pas gagner choix. C'est une obligation ou obligé de faire. La femme doit se soumettre à son mari. Ça, c'est le premier devoir femme. Femme, il est soumettre. Perspective biblique, soumission et en matière de la vie conjugale. La soumission de la femme à son mari est-elle absolue? La parole de Dieu dit clairement, femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Même je soumets tout au Seigneur, c'est comme ça que vous soumettez tout avec mari. Et mention comme au Seigneur, lui souvent ignoré par certains maris qui durent, qui exigeant. Dieu établit certaines limites à cette soumission. Celle-ci ne doit jamais être une obéissance servile ou bien aveugle à toutes les exigences abusives du mari. En quoi consiste cette soumission? Soumission, ça, en rapport non avec valeur ou bien dignité personnelle, mais avec son rôle au foyer. Rôle au foyer, femme, c'est pour soumettre. Soumettre. C'est pas moi qui dis, nous devons pitié, ça c'est la Bible, ça c'est bon Dieu même. Non, ça, ça n'est pas une question de supériorité du mari ou bien infériorité de la femme. Ce n'est pas ça. Mais c'est un appel de Dieu à des responsabilités différentes et complémentaires. Raison de la soumission de la femme. Quelles sont les raisons pour lesquelles une femme chrétienne doit telle se soumettre à l'autorité de son mari? Tout d'abord, c'est pour plaire à Dieu. C'est pour faire bon Dieu plaisir. Attendez. Ensuite, c'est pour témoigner respect au gain pour mari. Ensuite, c'est pour aider mari à accomplir ou rôle comme leader dans le foyer. Ensuite, c'est pour bailler un bon exemple avec Timounou yo qui dans foyer cap suivre nous, cap observer nous, mes chers frères et sœurs. Ensuite, c'est pour bailler un témoignage vivant dans monde de rébellion ça que moi avec n'a vivre. Femme nan, ou doit admirer mari. Les psychiatres, ils ont dit que le besoin fondamental de l'homme, c'est admiration. Si certaines épouses n'arrivent pas à jouir d'une harmonie ou d'un bonheur tant désiré, c'est souvent parce qu'elles ignorent cette vérité, l'ignorer vérité ça. L'expression « respecter son mari », c'est un des textes original. En voici la pensée. Et la femme honore son mari. Il faut honorer mari. Il faut préférer. Il faut estimer. Il faut louer. Il faut remer. Il faut admirer. Ça, c'est devoir pas envers mari dans le foyer.
Mes chers frères et sœurs, admiration n'est pas la flatterie. Il ne faut pas confondre admiration et flatterie. La flatterie ne fait qu'engendrer la colère et un sentiment de frustration. Tandis que l'admiration aide le mari à avoir confiance dans la propre tête parlée pour le faire face à la responsabilité de gagner dans le foyer. Mes chers frères et sœurs, l'admiration lui implique le respect. Toute épouse doit savoir que son mari soupire après cela par-dessus tout, même avant l'amour, l'argent, les titres ou les positions sociales. Privé de ce respect, il ne se respectera plus. Il se repliera en lui-même, plein d'amertume. Il se laissera aller et accepter facilement la défaite. Mes chers frères et sœurs, Marie mérite respect. Lycée chef ou pas chef bout de bâton. Les chefs pour protéger ou pour les préserver ou pour le bien prendre soin. L'épouse doit aussi veiller scrupuleusement à toujours respecter son mari devant les enfants et surtout en public. L'admiration implique la confiance. Le rôle de l'épouse, c'est de donner à son mari l'assurance qu'elle a confiance en lui, quoi qu'il arrive, quoi que ça arrive. Vous pouvez faire preuve de faire mari confiance, ou faire le crédit. Le mari a absolument besoin d'une confiance totale de sa femme pour s'épanouir et accomplir sa tâche au sein de la famille. L'admiration implique l'acceptation. Admirer son mari, c'est accepter le jeune. Un homme a besoin d'être accepté tel qu'il est. Cette acceptation sans condition est pour lui la preuve qu'il est vraiment aimé. Le mari a spécialement besoin d'être accepté, même pendant des périodes d'apparente défaite. L'accepter tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, a permis à bon Dieu d'opérer des miracles dans la vie nous et dans le foyer. L'admiration, mes chers frères et sœurs, implique l'appréciation. Admirer son mari, c'est apprécier sa fait. Admirer, c'est aussi le remercier, être reconnaissant pour ses qualités. Les maris font travail pour lui aider. Il faut dire merci. Dis merci. Le merci a capable de faire des miracles dans le foyer. Je vous dis ça. Garçon yo pas des rondons, mon dadi rondon. Madame mon ka fo alo kap a pied ou tourner à pied, c'est leur tourner ou à alo kap. Femme yo gen toute stratégie pour yo convaincre mari yo. Nan gratte tête là, bay bon ti caresse, tendez, ou faire mari yo aller loin. C'est là le tourner, là pour elle saute loin et la tourner dans place côté derrière. Garçon yo pas si mauvais que ça non. Nous besoin admirer yo. Nous besoin bay yo tout respect yo parce que mari yo c'est chef nous. Pas chef bout de bâton, mais chef pour protéger, non. Voici ce que déclare une femme pour son mari. L'amour que j'ai pour toi finira quand le lait devient noir ou le café devient blanc.
Je reprends. L'amour que j'ai pour toi finira quand le lait devient noir ou le café devient blanc. L'amour que pour Marie, il n'y a pas de gain ni commencement ni fin. Maintenant, m'encourager pour nous mettre les principes bibliques en application concernant le foyer. Et là, nous faisons ça. Foyer nous a marché bien. Et foyer a un foyer qui modèle. La bon foyer qui idéal. Un pile foyer pas marché bien. Comment ça fait ça? C'est parce que nous écartons des principes bibliques. Nous pas appliqué les principes que la Bible a bail. Nous pas appliqué sa parole bon Dieu mandé pour nous faire dans foyer. Maintenant, je vous garantis, si vous mettez les principes bibliques en application, foyer pauvre, foyer avec mari ou famille, la marche bien. Et pas oublier, dans foyer, il faut toujours avoir bon Dieu priorité dans foyer. C'est bon Dieu qui doit avoir priorité dans tout ce qu'on a fait. C'est bon Dieu qui doit avoir priorité dans foyer. Madame, yo, puis quand font bagay sans mari ou pas approuver. L'important avant font bagay c'est pour consulter avec mari ou demander le conseil et non déjà n'a décidé ça pi bon cap faire foyer marcher de l'avant. M'songe maman de moi non chita il dit qui ça nous ka fait pour nous ka gagne un petit cob en plus. Nous chitons ensemble de premier. Nous avons créé un business. Nous avons créé un business provision alimentaire. Mais ça commence à marcher bien. Hein? Ça c'est conseil, madame. Je ne bats pas ça. Mais nous chitons ensemble, nous réfléchissons, nous faisons ensemble. Femme, y a des bonnes conseillères. Je connais ça. Femme, c'est des bonnes conseillères. Nous avons besoin d'apprécier le travail, nous avons besoin d'apprécier le ministère dans le foyer. Deuxième vérité pour qu'une famille soit une famille réussie, c'est qu'on a ces devoirs Maria dans la famille. La Bible présente les choses avec un merveilleux équilibre. Paul n'est pas contenté pour l'exhorter de la famille. T'as poursuivi, elle écrit que Mario, si vous avez une responsabilité, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Le mari chrétien est appelé à exercer son leadership selon le modèle de Christ dans ses relations avec l'Église, son épouse bien-aimée. Maintenant que l'autorité du mari a été établie et l'accent est mis désormais sur l'importante responsabilité du mari à l'égard de son épouse, il doit remettre du même amour que celui de Christ pour l'Église, c'est-à-dire un amour inconditionnel, sans réserve, sans égoïsme, prêt à se sacrifier pour elle. Faut sacrifier pour madame parce que nous tous devons prendre engagement pour nous rester ensemble jusqu'à ce que la mort sépare nous. C'est par exemple madame ou al travail la vini à minuit et puis la rue a pas bon. Ça vous fait? Est-ce qu'on peut madame Mouvin pour contre lui? Ou bien, qui réaction est-ce qu'on va le chercher? Ou pas le choix, non? Ou pas le choix? Mes garçon sous, priez bon Dieu, allez chercher madame. Ça, c'est responsabilité, bon Dieu, barou. Une fois qu'il y a un monde marié, ou pas de peur, ou pas de peur, ou pas de gens peur, si on oui, dans la cour, premier monde qui peut faire apparition, c'est Maria.
Il prend devant, même les madame ou derrière, mais Maria doit prendre devant. Parce que, après, bon Dieu, c'est qui sécurise, c'est qui doit sécuriser madame ou. Maria doit bien diriger foyer. Dans le plan, bon Dieu, l'homme est destiné à être le chef. C'est-à-dire, le responsable de son foyer. Ce n'est pas parce que l'homme est supérieur à la femme, mais c'est parce que toute institution a besoin d'une autorité. Un conseiller conjugal déclare, notre tendance aujourd'hui est de penser que nous pouvons éliminer l'autorité du mari sur la femme en maintenant l'autorité du couple sur les enfants. La Bible est plus réaliste que l'homme moderne sur le mariage. Elle démontre qu'en dissolvant une hiérarchie, on en dissout forcément une autre. M'a observé, moi j'ai pile madame qui voulait prendre place Mario. Bon Dieu pas d'accord et bon Dieu pas jamais d'accord. Madame n'a pas chef. En pile madame voulait faire ça. Vous voulez prendre chef, prendre position chef ou pas chef. La Bible dit le mari est le chef de la femme. C'est ça la Bible a dit, c'est pas moins deal. Attendez. C'est Maria qui doit diriger. Dernier mois, c'est Marie qui vous dit dernier mois, pas madame. Gampil du mariage, dès que vous êtes marié, bien fait, dit bon, ça me dé besoin, je vais me finir. Je vais me gros loi, me finir. Liba de comme ça. Ni Marie a tout bon, je vais me gros loi, me prendre, me finir. Non, non. Madame, il faut faire effort pour toujours plus belle, plus frais pour Marie ou Capirémé. Et de même, tout Marie ou tout, faut faire plus effort pour toujours plus belle pour Madame ou carrément. Davantage. Chaque jour, amour nous gagne une pour l'autre, il devient plus profond. C'est-à-dire plus profond. Parce que nous sommes mariés, c'est pour nous vivre bien, jusqu'à ce que la mort sépare nous. Comment le mari doit-il exercer son autorité dans la perspective biblique? Il doit exercer autorité dans la soumission de Dieu. Pas de après les sous madame ou parler d'avec ou pas qu'un droit ça. Ou doit exercer autorité dans l'humilité avec respect. Ou doit exercer autorité avec sagesse. Dans tout domaine de la vie, nous gagnons pour nous soumettre à autorité, quel que soit un patron, quel que soit un professeur, un directeur d'école. Un agent de police, etc. Quand ça va côtoyer, vous devez soumettre en autorité. L'église n'a pas qu'à marcher sans dirigeant. De gon moun en tête. Pasteur Mea, c'est lui qui est en tête. Pasteur dit avec comité. Si ce n'est pas ça, l'église n'a pas marché bien. J'aime moins l'église a marché bien là. Je suis content ça, m'apprécier le travail, pasteur Mea, pasteur dit à ce comité à faire et bon Dieu continuer à servir avec eux pour que l'église a développé dans son spirituel, fonctionnel, numérique et économique. Faut toujours d'accord pour moun diriger, ça c'est administration lié. Pour moun passer l'ordre debout en bas, faut accepter moun diriger. Pour accepter le monde pas sous l'ordre, faut d'accord ça. Ça, c'est un principe biblique lié. Le principe demeure, tout homme ou toute femme est soumis à une autorité. Ça va veut dire que ceux qui sont en autorité, les plus bons que l'autre monde. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais pour qu'une société survive, il faut que quelqu'un assume le rôle de leader. Leadership, faut que dans toute administration, toute institution, il faut gagner leadership. Le mari doit aimer sa femme. Je ne vais pas dire maintenant bouche, non?
remet dans la pratique. Dans la pratique, il faut provoquer pour remet madame. C'est avec ou tu es marié, pas oublier, mais on te remet, on te fiancé, on t'a vivre ensemble. Yon ne pas vle quitter même un jour sans yon pas ou l'autre. Chaque jour, nous voulons pour nous ensemble. Chaque jour, nous voulons pour nous rencontrer, parfois nous communiquer. Attendez, ça c'est l'amour lié. L'amour, de communication, de dialogue, dans le foyer. Attendez, l'embarré madame, il faut que moi le chéri qui joue chouchou, qui en joue en théâtre pour vous. L'aile rentrer, il faut me parler avec lui, chéri qui joue, tu es un grand vide dans le caille, parce que je ne suis pas trop bon côté, chéri. Est-ce que tu es mangé? Est-ce que tu es boire? Il faut dire ça parce que ils sont partis dans le corps, ils sont côtés dans nous-mêmes, nous sommes seuls, il faut nous parler, il faut nous dialoguer parce que nous sommes seuls. Le mari doit aimer sa femme. C'est-à-dire, un amour qui se manifeste. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Comment? Par des paroles. Lors de aimer, faut dire ça, c'est par des paroles. Par des paroles. Qui parole? Parole de tendresse. Parole d'encouragement. Des paroles de félicitations. Des paroles de réconfort, des paroles d'appréciation, des paroles d'affection. Fille, vous aimez ça, garçon, vous aimez ça. Des paroles de gentillesse. Ou de prouver que vous aimez par des actes, actions. Prouvez ça. Des services rendus. Les renom service. Dis chéri, merci. Bon cadeau. Ballon bisou, chérie, merci, merci. Des cadeaux, du pardon. Et l'autre bagaille, il faut prêter pour pardonner madame et vice versa. L'elle font bail qui mal. Attendez, ou même tout font bail qui mal. Faut chérie, on ne connaît pas samedi pour là, l'étape offense. On ne connaît pas si on a blessé, chérie. Choupit, mon excuse, chérie. Pas forcer encore. Et puis, ballon bisou. Fille, remets ça. Ballon bisou. Passe maintenant cool. Ballon bisou. Chérie, excusez-moi, chérie. Pas forcer encore, chérie. Pas forcer encore. Faut monter compréhension. Compréhension envers madame. Des soins divers. Il y a des fois après madame, l'anniversaire de mariage, l'anniversaire de naissance. Aller dans le restaurant avec elle, nous manger ensemble, nous dialoguer, aller boire la mer, nous payer ensemble, nous enjoy nous ensemble, attendez. Bon Dieu, remet ça, oui, attendez, bon Dieu, remet ça, nous prenons plaisir, nous, ensemble. Il y a un amour qui se sacrifie, attendez, l'amour divin, agapé, qui a défini, et c'est un pas intérêt profond. Que l'on porte au bonheur ou bien et au bien-être de notre personne. C'est donner et donner plus. Un mari doit être prêt à se tenir aux côtés de sa femme en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Il faut observer, madame. Parfois, il y a un problème. C'est pour ça. À côté, parler avec elle, supporter elle. Prier avec lui. Mes chers frères et sœurs, grand mari qui crase le foyer, qui divise mon foyer, nous n'avons pas prié ensemble. Même là, il y a un problème, il faut nous dégager, non, pour nous ranger ça. Et avant de nous dormir sur le tribunal, là, prier. Chérie, pendant que je vous excuse, je vous demande pardon. Ça me défait, je ne vais pas faire encore. Faut que nous prions ensemble avant de dormir, faut que nous prions. Mais faut que l'esprit de pardon, si nous avons un problème entre nous, faut que nous résoudions parce que nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes. Nous allons vivre comme ça, à faire un mois, deux mois, six mois. Une bagarre servi l'autre. Gende, madame, tout qui peut être bonne paille, ou même pas tolérer. Côte pour me coucher. Si vous prenez à terre, même pas coucher, même côte avant. Je ne suis pas marié pour nous diviser. Je ne suis pas marié pour chaque monde qui a un carbone paillot. Je ne suis pas marié pour faire mettre
mettez mon daddy go bout pantalon sous lit les soirs. M'pas marié pour ça. M'pas d'accord ça, m'pas marié pour ça. Moi j'ai autorité sur propre corps et ou même tout, ou autorité sur propre corps pam. Mes chers frères et sœurs, mariage pas doué non tout dé pas doué divisé et gen moun k'ap suiv non, ti moun y'ap suiv non nan kay la. Si gon problème, résoudre li pour le pas faire impact sur ti moun yo. Les gon problème, résoudre li nan tribunal la, pas quitter le sorti nan salon. Résoudre li entre nous. Moun pas besoin qu'on a fait non, li pas bon pour nous. N'oubliez c'est un serment notre fait. C'est un engagement notre prend les on t'a marié ya. Ça on te dit dans la joie dans la peine, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, acceptez tout pour la gloire de Dieu. Quand ça va s'advenir pour me supporter madame moi, faut Maria faut madame supporter Marie. Nous devons serment devant l'assemblée, devant bon Dieu. Son serment nous te fait, nous devons prendre engagement. Nous devons respecter ça, oui. Respecter engagement nous te prend devant bon Dieu et devant l'assemblée. Nous connaissons une famille. Madame n'a pas travaillé. C'est monsieur qui a fait des jobs. Nous connaissons. Tout charge tombe sous do Maria et laisse yo vini li assume yo comme ça doit et puis sans plein li assume responsabilité li nan foyer. Les gros problèmes nan famille madame nan li assume li sans difficulté. M'a observé yo sans ou pas connaître Maria pas fâché, li fait tout avec quel content. Les gain problèmes, les toujours fait face avec problème yo. Yo vraiment son famille qui idéal. Y a vu bien. L'autre bail tout me suivre, les maris al travail. Tout dès toujours communiquer avec l'autre pour connaître qui gens yo passé journée hein. Chéri, ou t'es mangé, ou t'es boire, ou t'es faire ceci, qui gens yo. Ni bon. Ça son foyer idéal. Yo gen la crainte de Dieu. Yo pa fè yon bagay sans yo pa mete bon Dieu la donne. Maintenant, troisième vérité pour yon famille chrétienne idéale, tout d'abord, c'est relation entre parents et ti moun yo. Avant de parler de ça, si koun ya wap traverse la mer avec maman et mari ou, ou gen possibilité pour sauver un seul monde, qui monde va sauver? Réfléchissez. Ou gen possibilité pour sauver un seul monde, qui monde va sauver? Mari ou bien maman? Moi, réponse pas maintenant, m'a pas marié, pour te marier à madame moi. M'a sauver madame moi. Madame, moi, m'a sauvé. M'a pas marié à l'autre monde. M'a marié à madame, moi. Et vice fait ça tout. Si c'est madame, non, qui avec maman et mari, qui s'a sauvé. Et si c'est Maria qui avec maman et madame, qui l'a sauvé. Moi-même, Maria qui a quitté, m'a sauvé maman. Ou pas marié à maman. Maman fait ville déjà. Mais fait déjà, l'homme qui trahit son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, troisième vérité, responsabilité timounio dans la famille chrétienne ou dans le foyer. Tout d'abord, relation entre parents et timounio. Parents doivent un modèle pour timounio. Yo doit séparer monde là et avec tout ça gagné. La vie par un de consacrer à Dieu. Yo doit confier yo à la parole de Dieu. Yo doit obéir avec volonté mon Dieu.
yo doit lire, méditer et connaître parole mon Dieu. Et yo doit apprendre ti moun yo tout pour au travail. Nan kay la faut bay ti moun yo responsabilité yo. Même lorsque le petit moun qui fait moun qui avait, mais petit pour yo faut apprendre yo pour au travail. Pour que demain l'on pas là pour pas gagne problème pour pas marrer dans la vie, faut apprendre yo travail. Faut apprendre yo c'est pour travail, faire travail dans kay la et ailleurs. Pour ti moun yo doit reconnaître autorité parent yo. Yo doit obéir avec parent yo avec joie et sans hésitation. Yo doit honnête à parent yo. Yo doit gentil et sage envers parent yo. Yo doit assister parent yo dans vieillesse yo. Que des bagay ki doit lui. Parent pa ka fè rien kounya a, ti et petit li gen possibilité kounya li pa assister. Ça fait jou yo pa bon pou parent sa yo même. Ti moun yo, yo doit assister parent yo nan vieillesse yo, nan vieillesse yo vivre. Yo doit assister yo. Responsabilité qui plus importante, attendez, c'est pour yo préparer ti moun yo pour l'éternité. Lita dur pour ti moun yo au dernier jour, yo pas sauvé. L'important, c'est pour présenter yo l'évangile. Fait preuve qui accepte Jésus comme sauveur personnel yo. Et fait dévotion avec yo dans kaila avant nous dormir. Fait dévotion les matins, fait dévotion avec timoun yo. C'est devoir pam, c'est devoir pour faire ça. Pour que en famille soit en famille chrétienne idéale, tout d'abord gen trois vérités noté ouais matin. Maria doit bien assumer responsabilité li ou bien devoir li dans famille là. Il doit remer madame li, respecter le honorer et l'épouse ou bien la femme, il doit bien remplir devoir li envers famille li. Rôle li c'est soumettre. Sou pas fait ça. Son mari chanlier. Famille gardez bien matin. Vous devez soumettre à Marie. Soumettre. Obéir à Marie. Si vous ne faites pas ça, son mari Chollier. La Bible m'a dit c'est pour madame, yo. Soumettre. Soumettre à Marie. Vous devez respecter Marie. Vous devez admirer Marie. Parents doivent bien assumer des voies envers les gens. Il faut avoir de bonnes éducations. Tout ça a permettre que nous avons une famille chrétienne idéale. Mes chers frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre pour la gloire de Dieu. Tout ça n'a fait, nous devons faire pour la gloire de Dieu. Que votre foyer soit une source d'amour, de paix, de joie, d'harmonie et de bonheur dès maintenant et à jamais. Que le Seigneur vous bénisse.